Elle est au centre de deux actualités. L'une, c'est un peu par coïncidence, c'est cette histoire d'EcoMove, vous savez, cette société chargée de la collecte et de la mise en place de cette écotaxe, notamment en Bretagne, et puis Paris, puisqu'elle est candidate à Paris, et hier, elle a présenté son programme pour la ville capitale. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet, députée UMP et candidate UMP à la ville de Paris, qui est avec nous. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Trois questions pour commencer, auxquelles vous répondez par oui ou par non. Pour ou contre la pénalisation des clients qui fréquentent des prostituées? Ça monte là. Dans le sujet, écoutez, c'est pas un problème idéologique, mais quand j'entends des gens qui disent on va abolir la prostitution, on a envie de dire waouh, quelle bonne idée. Ça fait 5000 ans que ça existe, on n'y avait pas pensé. Ouais. Je pense que c'est pas si simple. Donc c'est pas un sujet sur lequel. Non, mais j'aimerais qu'il y ait pas de prostitution, si vous voulez. J'aimerais qu'il n'y ait pas de prostitution, mais je pense que c'est pas si simple. Et il faudrait déjà faire respecter l'interdiction de faire le racolage actif. Ok. Est-ce qu'il y a 100% de chances pour qu'à Paris, on ait une liste commune dans chaque arrondissement UMP, UDI, MoDem? Oui, jamais 100%. Alors écoutez, quel drôle de question, vous qui suivez la politique. Écoutez, il y a de mon côté une volonté très claire, et je crois que c'est une volonté qui est assez largement partagée, au-delà d'ailleurs simplement des élus, des cadres, par aussi tous les électeurs, tous ceux qui veulent que ça change à Paris, tous ceux qui veulent le progrès à Paris. Moi, je souhaite avoir des listes unies de rassemblement dès le premier tour, sur des sujets de fond sur lesquels il y a des vraies convergences, du logement pour les classes intermédiaires, pour les classes moyennes à Paris, une politique écologique réelle, oui, optimiste. Pour ou contre des péages contre les poids lourds, notamment à l'entrée dans Paris? Moi, je suis pour l'interdiction de certains types de poids lourds. Je suis pour la mise en œuvre d'un dispositif qui existait dans le Grenelle de l'environnement, qui s'appelait les APA, la possibilité, dans un calendrier, sur plusieurs années, de dire, voilà, à telle échéance, tel type de poids lourds très polluants, on les acceptera plus dans Paris. Et comment on fait pour plus les accepter? On met des barrières de péage? Oh, vous mettez une contravention. C'est des normes, si vous voulez, qui sont des normes européennes, des normes de pollution, ça s'appelle Euro 1, Euro 2, Euro 4. Je propose précisément qu'en 2017, on n'accepte plus les poids lourds Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, et en 2020, plus les poids lourds Euro 5. Pourquoi je dis ça? Parce que Paris... Quel est le tonnage, là? Paris est une ville... Ça prend notamment en compte les cars de tourisme. Cars de tourisme. Qui, à la haute saison, sont de 2000 dans Paris. Paris, aujourd'hui, c'est une ville stressée, c'est une ville polluée, et la municipalité sortante a beaucoup parlé, mais par exemple, en matière de lutte contre le diesel, a fait le contraire de ce qu'elle disait, a relancé des bus avec le STIF, 286 bus roulant en diesel, ils rouleront jusqu'en 2027. La part du diesel dans les carburants utilisés par les véhicules de la ville de Paris a augmenté. Moi, je propose qu'on arrête complètement tout le diesel dans les flottes municipales et puis qu'on interdise à terme certains types de poids lourds. On va écouter Jean-François Copé. Hier, il parlait à la télévision. Enfin, ce qui est surtout critiquable, c'est le montage. Ça, je suis d'accord avec vous que de tels coûts de gestion, mais c'est aberrant. Ah bah je crois qu'en tout cas, on ne peut pas imaginer dans un pays moderne un tel coût de collecte d'un impôt quel qu'il soit. Alors c'est un tacle. Jean-François Copé, il parle d'EcoMove. EcoMove, vous étiez au ministère. J'ai plusieurs choses à dire. Vous le prenez comme un tacle? On pourrait répondre techniquement en disant, vous savez, le coût de collecte, 25% de la collecte, c'est par exemple le coût des radars. Ouais. C'est combien le coût des radars, la collecte? C'est 25%. 25%. C'est 25%. C'est aussi mais c'est fait par l'État. C'est aussi le coût. Oui, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas faites par l'État. La TVA, elle est faite par les entreprises, les buralistes. C'est aussi le coût, l'ordre de grandeur de ce coût-là, de celui de cette écotaxe, de l'écotaxe allemande. Ouais, donc, ce n'est pas quelque chose de très original. Mais indépendamment des questions de fond, je voudrais dire sur ce sujet plusieurs choses. Moi, je n'ai pas changé d'avis. J'en vois qui... Parce que ça devient dur, parce qu'il y a de la contestation, parce que ça se durcit. J'en vois qui, rétropédale à droite et à gauche. Moi, je n'ai pas changé d'avis. Je pense que faire payer les camions pour faire entretenir, renouveler les infrastructures, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, vous avez les camions pleins qui traversent la France, les camions étrangers, ils font le plein avant, ils ne font pas forcément même le plein en France, ils ne payent rien pour nos infrastructures. C'est pas normal. Et si on ne met pas en place une éco-redevance, comme il y a en Allemagne, eh ben, ils continueront à ne rien payer. Je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Mais les termes du contrat avec EcoMove. Attendez, je voudrais aller plus loin. Ce contrat, il se trouve que moi... Vous l'avez négocié? C'est vous qui l'avez négocié? Non, moi je ne suis pas celle qui a lancé l'appel d'offres, ça a été lancé avant moi par Jean-Louis Borloo. Oui. Et je ne suis pas celle qui l'ait finalisé, pourquoi? Parce que j'avais déjà quitté le ministère. D'accord. Ça a été le dernier décret, a dû être signé. Pourquoi d'ailleurs ce décret a été signé? Mais je vais vous dire, attendez, je vais vous dire,
J'ai pas vraiment été au cœur de ce sujet, mais je suis prête, moi, à l'assumer pour tous ceux qui l'assument pas. D'accord. Parce que Fillon, tout le monde, Fillon. Tout le monde était d'accord, mais chacun dira pour ce qui le concerne, mais tout le monde était d'accord pour mettre en place une écotaxe. Ouais. Tout le monde savait qu'on avait besoin de faire appel à un prestataire extérieur, parce que c'était un sujet qui était compliqué. Il y a eu un appel d'offres extrêmement transparent, très cadré, très régulier, qui a été suivi, gagné par Ecomove, non ? Qui a été suivi, oui, et qui a été suivi par des fonctionnaires, organisés par des fonctionnaires qui sont toujours en place aujourd'hui, et pas en place n'importe où. Les fonctionnaires qui ont accompagné ce projet, c'est le directeur général des infrastructures de transport qui est toujours directeur général. Celui qui a présidé l'interministériel, qui a décidé, on signe, on y va. C'est le secrétaire général du gouvernement, donc c'est des plus hautes autorités. Non, ça c'est le secrétaire général de l'Élysée. Le secrétaire général du gouvernement. D'accord. C'est M. Lazuin qui est toujours en place. D'accord. Et vous avez des directeurs juridiques qui sont intervenus sur ces sujets. Par exemple, le directeur juridique du ministère de l'écologie, qui est celui qui a validé toute la procédure. Alors lui, il n'est plus en place. Vous savez où il est aujourd'hui ? Non. Non, il est directeur de cabinet de Mme Duflot. Donc, alors, l'un si des Madame artisans Duflot, de ça, c'est le directeur de cabinet de Mme Duflot. Mais, bien sûr, si Mme Duflot, comme les autres, le Premier ministre, le Président de la République, ont besoin d'informations, ils poussent la porte du couloir d'à côté. D'accord. Le conseiller transport du Premier ministre et celui du Président de la République sont des gens, des anciens de cette direction générale qui a travaillé sur ce... Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que... On peut avoir des appréciations techniques différentes, mais ce contrat, il a été passé de manière, je crois, régulière, complètement encadré par des gens qui sont aujourd'hui non seulement en fonction, mais très proches des ministres en place. Okay. Et s'ils se posent des questions, comme ils affectent de le penser en disant maintenant, mais finalement, c'est pas bien régulier, eh ben, ils poussent la porte. Vous savez, Duflot, elle interpelle son directeur de cabinet. Vous disiez que si jamais il y avait rupture contractuelle, Ecomove pouvait percevoir 800 millions d'euros d'indemnité, vous le saviez Mais Monsieur Tréa, ça, c'est parce qu'ils ont attendu. Ah oui. S'il y avait eu rupture contractuelle, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'était pas cette somme-là. Encore une fois, moi, les uns les autres, chacun peut avoir son point de vue, mais je trouve que cette façon qu'ont certains, finalement, de vouloir rétro-pédaler, se renier, se contredire, à droite comme à gauche, il y a eu un moment quand même de grande poésie. Mm-hmm. Ça a été Madame Hidalgo qui, après avoir réclamé l'inscription du périphérique dans l'écotaxe. Réclamer l'inscription du périphérique dans l'écotaxe explique aujourd'hui que ce contrat n'est pas bien clair. Bien. Ça mérite qu'on s'arrête une minute. Vous êtes contre, vous, l'inscription du périphérique dans l'écotaxe ? Non, moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je revendique cette, en quelque sorte, donc, pour eux. Là-dessus, vous êtes je revendique cette responsabilité qu'ils n'assument plus. Le périphérique, pour que tout le monde comprenne, n'est pas une route nationale. Le périphérique appartient à Paris. Ouais. L'écotaxe, elle s'applique aux routes nationales et sur les routes départementales. Il y avait discussion. Il y a beaucoup de collectivités territoriales, beaucoup de conseils généraux qui ont voulu que l'écotaxe s'applique sur leur route. Pourquoi ? D'accord. Parce qu'ils percevaient la taxe. D'accord. Il y a une partie de la taxe qui revient vers les conseils généraux. Alors, Paris attend 18 millions de la taxe. Et donc, Mme Hidalgo a réclamé l'inscription du périphérique dans la taxe pour pouvoir percevoir les 18 millions et a fait voter à l'unanimité une délibération d'une convention avec Ecomove pour qu'Ecomove lui perçoive ces 18 millions. Et maintenant, elle dit, mais je ne suis pas au courant. Mais écoutez, vous savez, quand on fait voter des choses et qu'après on dit qu'on n'est pas au courant, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Parce que soit c'est faux et on ment, soit c'est vrai, et c'est grave. Alors, elle pourrait mentir. Ou alors... L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Est-ce que, sur le principe, vous êtes d'accord, notamment à Paris, puisque vous pourriez être appelé à diriger cette ville, sur les partenariats public-privé, c'est une bonne chose ? Partenariat public-privé, il y en a aujourd'hui c'est beaucoup. C'est déjà le cas pour le ramassage des ordures ménagères, oui, vous allez aujourd'hui. Dire. C'est une DSP. Mais il y en a aujourd'hui beaucoup. À Paris, vous avez beaucoup de partenariats public-privé. La municipalité sortante serait curieusement inspirée de critiquer le principe des partenariats public-privé parce qu'il y en a plein. D'accord. Je crois vraiment qu'il y a une énorme mauvaise foi derrière tout ça. Et je voudrais dire quelque chose. Chacun doit assumer ses responsabilités. Je le dis pour la droite et je le dis pour la gauche. Chacun doit assumer ses responsabilités. Et quand je vois Jean-Marc Ayrault, qui en fait aujourd'hui est très vivement critiqué contre le matraquage fiscal, contre toute la politique fiscale qu'il mène et qui essaye de faire une passe arrière en disant mais si l'ancienne majorité... problème, c'est. Bon, écoutez, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais vos petits copains de l'ancienne majorité ne sont pas très sympas avec vous non plus. Ah, mais vous en avez pour tout le monde. Ils facilitent pas la tâche. Vous en avez pour tout le monde, Yves Tréa. Bon, vraiment. D'accord. Beaucoup de dissidents à droite, dans les arrondissements. Où en êtes-vous avec Jean Tibéri, par exemple ? Dominique Tibéri, son fils. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai toujours dit, avec une grande constance, depuis le début de la campagne sur Paris, et pendant la primaire, par exemple, donc au moment où je sollicitais les Parisiennes et les Parisiens pour qu'ils me choisissent comme candidate pour l'alternance, j'ai toujours dit « je veux le renouvellement ». Je propose le renouvellement. Donc, je ne propose pas de rejouer 2001 et 2008. Alors, ici ou là...
ça crée des crispations, ça crée des quasiment tensions. Quasiment dans les deux tiers des arrondissements. Mais moi, je tiendrai, non pas dans les deux tiers des arrondissements, mais moi, je tiendrai ma ligne. Et puis autre chose, alors ça amuse beaucoup la presse. Après, ouais. Quand vous regardez les sondages sur tel ou tel dissident, ouais. On les entend plus trop, la presse. Hein, ouais. Parce que finalement, les Parisiennes et les Parisiens, ils ont envie que ça bouge, ils ont envie que ça change. Alors, je vais être méchant. Et ils ne vont pas aller se porter sur ceux qui peuvent faire perdre plutôt qu'aider à faire gagner. Comment vous avez accueilli votre sondage hier dans Libération, où vous avez 10 points de retard sur la candidate PS dans le 14e arrondissement. L'arrondissement, vous allez vous. Les sondages d'arrondissement, si loin d'échéance, à mon avis, ont peu d'intérêt. Pourquoi ? Alors, vous pouvez. Alors, je pourrais vous le commenter en vous disant. Bon, il y a une progression de plus de 7 points par rapport aux élections législatives, ce qui en 2 mois de campagne est considérable, marque une dynamique forte, etc. Ça ne m'intéresse même pas vraiment. D'accord. Je pense que ce n'est pas là que ça se passe. Bon. Je pense que c'est trop loin, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, j'ai une question qui n'est pas si anodine que ça, mais qui est très importante. Allez-y. Et qui va peut-être vous gêner. Aujourd'hui, vous vous présentez à moi avec les cheveux attachés. Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale. Pourquoi ? Oui, monsieur Tréard, je n'ouvre pas de commentaire sur votre pas coiffure. Pas de commentaire là-dessus. Non, mais sur votre coiffure, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, je trouve ça très... Non, mais tout le monde le remarque. Ah ouais, bah écoutez... C'est plutôt bien. Tant pis, tant mieux. C'est plutôt flatteur. Je trouve ça déplacé que vous preniez du temps de parole dans une interview sérieuse et politique pour me parler de sujets que vous n'aborderiez pas avec des hommes. Vous êtes en train de manger mon temps d'expression sur mon projet. Je voudrais parler de mon projet pour Paris, monsieur Tréard. D'accord. Alors, la mesure principale hier qui a été retenue, pas principale, mais une des mesures qui ont été retenues et qui a beaucoup marqué, c'est la couverture du périphérique. Ça dure un temps fou, ça. Combien ? Et ça coûte très cher. Comment vous allez faire ? Ça ne coûte pas très cher. Ce qui est vrai, c'est que ça dure un temps fou. Partenariat public-privé, là aussi ? Ce qui est vrai, non. Ce qui est vrai, c'est que ça dure un temps fou parce que la municipalité sortante a pris du retard sur le projet initial. C'est prévu, tout ça ? Il y avait des choses qui étaient prévues qui n'ont pas été faites. On a perdu des subventions auxquelles on avait droit de partenaires extérieurs parce que la municipalité sortante a pris du retard. Or, moi, je pense que ce retard-là, c'est une vraie faute. Aujourd'hui, le périphérique, c'est une barrière physique et symbolique. On parle du Grand Paris, mais ils veulent faire le Grand Paris des institutions, créer une nouvelle administration avec 5000 fonctionnaires, alors qu'à Paris, ils ont déjà augmenté de 10 000 le nombre de fonctionnaires de la ville, c'est-à-dire plus 26% en 10 ans. Toujours des nouvelles administrations, toujours des nouveaux impôts. Non, ils sont passés de 40 000 à plus de 50 000. Ils veulent faire une nouvelle administration pour le Grand Paris. Pour moi, le Grand Paris, c'est des projets. Et c'est d'abord... reconquérir en fait cette nouvelle frontière qui est celle du périphérique, la dépasser, la déborder. Paris, c'est ça. Paris a grandi à travers l'histoire en débordant de ses frontières, en débordant de ses murailles successives. Et ça coûte pas cher. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Le long du périphérique, vous avez des terrains qui aujourd'hui sont des délaissés. Vous avez des terrains qui sont des espaces verts de mauvaise qualité. Si vous couvrez le périphérique, comme je le souhaite, avec une couverture de type intermédiaire, c'est-à-dire une couverture sur laquelle vous pouvez faire des activités sportives, des installations sportives et des espaces verts. Vous ne pouvez pas construire. Vous pouvez faire des installations sportives et des espaces verts. À ce moment-là, vous rendez constructibles les délaissés qui sont le long du périphérique. Vous transférez les espaces verts et les infrastructures sportives sur le périphérique et avec... ces espaces qui ont été récupérés le long du périphérique, vous construisez. Ça coûte 0 € aux Parisiens et ça change la vie parce qu'aujourd'hui, le périphérique, c'est une saignée. Demain, ça peut être un espace qu'on traverse sans même s'en rendre compte et encore de manière agréable. C'était le talk Orange Le Figaro de Nathalie Kosciusko-Morizet qui a parlé d'EcoMove pour ne pas se défausser de ce qu'elle a fait quand elle était au ministère de l'écologie, mais qui n'est pas méchante avec ceux qui la critiquent, mais elle n'en laisse pour le moins rien. Elle n'oublie rien. Et sur Paris, bah, 2 choses à retenir. Un, le périphérique, eh bien, c'est quelque chose qu'il faudrait couvrir, c'est ce que vous avez dit. Ouais. Hein. Et deux, bah, c'est le changement avec Nathalie Kosciusko-Morizet, donc les dissidences. Il y a beaucoup plus de choses à retenir. Je regrette que tout le monde tombe dans ce piège qui est tendu par la gauche. Mais je continuerai à défendre le projet qui va bien au-delà de la simple couverture du périphérique, bah, parler d'autre chose. La gauche n'a pas d'idée. La gauche a créé une ville subie. Elle a enfermer les Parisiens dans une série de contraintes. Mais... moi, je veux leur rendre la ville une ville plus intense. Voilà, les Parisiens sont les héros de mon programme. C'est une ville qui s'adapte à eux, alors qu'aujourd'hui, on leur demande finalement de s'adapter à elle. C'est la révolution des horaires. C'est une ville enfin en sécurité. C'est une ville dans laquelle on arrête d'augmenter les impôts. Faire la révolution à Paris. On arrête d'augmenter les impôts. Oui, la révolution par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, ça, c'est sûr. C'était le talk de Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci.